TV. Bonjour Level Down. Waouh, il y avait encore du bruit derrière la super musique que je vous ai diffusée. Bonjour à vous YouTube, bienvenue les amis pour déjà ce 20e live Final Fantasy 8. On est ensemble en ce jeudi 9 novembre de 18h à 20h pour, eh bien peut-être la dernière fois qu'on va se retrouver pour du secondaire. Je vous rappelle que je vous avais posé la question de savoir ce que vous vouliez qu'on fasse ensemble. C'est-à-dire, je m'explique. La dernière fois, nous avions fait Dipsy, où on avait obtenu la GeForce Orbital alias Falcon. On avait enfin récupéré la GeForce aussi, je vous rappelle, bien sûr, L-Train, que l'on a renommé en Lion Super. Et on a surtout battu Monarch. Et il nous reste, si on se rappelle bien, une dernière GeForce qui se situe ici, qui n'est autre que Tombéry. Et je sais comment je vais la renommer. Bref, je vous rappelle que on avait déjà checké, j'ai gagné du temps. On se retrouve directement à Sentra. Le but, c'est que, eh bien, écoutez, on s'amuse, on potasse, on parle, et en attendant, bah écoutez, on va battre 20 petits Tombéry, et puis après, Tombéry Senior apparaîtra, et on aura fini notre odu, j'ai envie de vous dire. Bref, n'hésitez pas à me dire que tout est ok, s'il vous plaît. Et puis, bah écoutez, on y va. On avait fait les armes aussi, les armes qui étaient à destination. Brasix, waouh.
c'est moi ou vous êtes complètement mort sur le chat? Comment ça se passe? Ok, ça me rassure pour Priam en tout cas. Ouais. Allez, je vous rappelle qu'on se retrouve aussi à partir de demain, 20h, 22h, pour encore du FF8. J'ai peut-être envie de poursuivre le scénario et d'aller à Lunatic Pandora pour 21ème épisode. 21ème live. Ce serait cool, je trouve, qu'on reprenne un peu. Ça me ferait plaisir, en tout cas, sachez-le. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait pendant votre journée, ça serait plutôt sympathique. Pourquoi il est pas mort, l'autre? Salut à toi, Vivare, je crois que tu vas bien. Salut, enfin j'ai des pubs buggés. Comment ça, t'as des pubs buggés? En tout cas, merci à toi de faire un coucou, ça fait plaisir. Je le disais quand même au bout de 6 minutes de live que personne ne me dise bonjour, ça m'aurait un petit peu étonné pour quand je sais que je suis en live. Je sais pas ce qui se passe en ce moment depuis quelques jours sur la TV. C'est pas qu'il y ait grand monde, je sais pas ça. Mais je pense que vous êtes plus réactifs. C'est un peu dommage, je trouve. Si on fait des lives, c'est pour vous, hein. La pub se lance et elle fige. Alors moi aussi j'ai eu un souci sur ça. Lorsque j'ai checké un petit peu une solution pour battre rapidement des tomberies. J'espère que ça marchera d'ailleurs. Et la pub était buggée. Par contre c'était pas en rapport avec Twitch, c'était en rapport avec Daily. Peut-être qu'il y a un souci sur les players, peut-être. Je ne sais pas. Bref, allez. De toute façon, je ne peux pas sauvegarder entre temps. Il faut que je fasse la quête d'une traite. Même si on l'a pas terminé, safe state, vous me connaissez, c'est pour ça que je voulais faire les choses comme il fallait. Bref, allez, on y va. Alors. On va pouvoir monter les escaliers là. Et normalement, les tomberies ne se situent que sur un seul écran, c'est-à-dire ici. Alors par contre, je me pose la question, c'est un tomberie ou il peut y avoir plusieurs tomberies à la fois? On va voir ça ensemble. D'abord, je vais commencer par voir combien de vies ils ont. Ok, donc Tomberry apparaît. Il n'y a pas de souci, pour l'instant, tout se passe bien. Alors, je sais qu'ils sont normalement sensibles à Car. Magie, scan. Combien de vies a ce petit monstre? Je prends en bas de 20. Hein. Ils ont 26 800. D'accord. On va voir. Combien on fait de dégâts avec une G-Force plutôt puissante, mais élémentale. Élémentale, élémentaire. Au choix. J'ai lu que tu peux sortir, save, mais faut pas de combat. Après, si t'as besoin de sortir, c'est mieux. Bah, en soi, non, ça sert à... Enfin, c'est possible. J'ai pas vu combien on faisait de dégâts. J'ai pas vu. J'ai pas vu combien on faisait. Mais le plus simple, c'est surtout que il faut qu'on affronte de suite les Tomberry, comme tu dis. Je sais pas combien de temps. 26 000. Est-ce que là je fais 9999 ou pas? Et sinon, moi, ma technique que je voulais, c'était utiliser le Renzo Token de Squall et spammer son card. Le truc, c'est que je sais pas quoi faire avec Quistis. Ah ouais, ça marche de dingue! Je regarde combien je fais de dégâts avec avec Sorak. Ah oui, tester le train, mais le problème c'est que le train c'est la même personne, c'est Irvine qui l'a. Alors comme il fait quand même pas mal de dégâts,
C'est quand même pas mal de 1804. Je voudrais checker avec vous. Est-ce que j'ai du aura? J'en ai que avec Custis. Et ou sinon, est-ce que j'ai du car? Ah bah oui, j'ai du car. Et je vais mettre Squall en jaune. On verra bien. En tout cas, j'ai enfin récupéré une bonne connexion, c'est sûr et certain. Ça fait du bien de récupérer 15 mégas de cloud, je peux vous assurer. C'est génial. Enfin, les problèmes d'antenne 4G depuis un mois et demi sont réglés. Enfin, ça y est, une connexion non seulement énorme, non pas en connexion bridée, mais encore en plus une stabilité. Croyez-moi que les deux derniers lives, on n'a pas eu de soucis, mais j'étais en stress. C'est à toi la grange, je crois que tu vas bien. Oui, une bonne connexion. Comment ça va, Lagon? Ouais, ça va très bien, je te remercie. Alors par contre, ce qui va être dégueulasse, c'est que vous allez voir, là, on va faire des tomberies. Mais on va gagner. Un PDC à chaque fois. Alors surtout, ne sors pas de l'écran. On va tourner en rond. Plus que 19. Non mais je pense qu'on va faire ça. On va faire 100k avec Irvine. Quoique non, vous savez quoi? On va utiliser le... On va utiliser Lion Super, on va voir. Déjà ce que je peux faire là c'est... On avait vu... Car. Pas mal. Ok. Que je regarde si elle aussi a la carte ou pas. Non, j'en ai 5. En fait, je pense, Wevares, que j'ai plus utilisé... Non, j'ai utilisé le mode turbo. Je serais plus partant pour utiliser le Ransokuken, parce que je vais faire genre à chaque fois... à peu près 6 à 7000. Bam! Au revoir. Normalement, il devrait être mort, là, hein, s'il se prend un train. C'est tout! Ah mais attendez, je peux m'attaquer moi-même que je suis bête. Absolument que je regarde par contre c'est
à faire des sauvegardes rapides. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait aujourd'hui, les amis. J'espère que la cam est bien cadrée. Ouais. Combien de temps on va prendre pour un tombéry? 5 minutes? Il est mort. Et genre, il est pas mort, pourquoi? Je sais, c'est bizarre, mais... Voilà, parfait. Ah ouais, merde. Oh non! Magie, il me faut un sort ville. Ah là, 1227, c'est parfait. Je regarde combien je vais lui faire de dégâts. Hein. Ah ouais! Non mais en fait non! Non, on va perdre là. On va faire comme ça. Hein. On va faire comme ça, moi je vous le dis. Hein. Ok, j'ai une superbe idée. Oh oui. Irvine, il utilise Sanka, 9999. Renzo Kuken avec Squall en jaune. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais donner les sorts cards que j'avais de Squall à Quistis. Magie, Squall, échanger. Sort card. Donner. Voilà, comme ça, ça en fait 15. Moi, ça me paraît plutôt sympathico. On y croit? On y croit. Voilà. Moi, ça me paraît plutôt bien. Comme ça, les 26 000 par tomberry, c'est jouable. Est-ce que vous trouvez une meilleure tactique ou pas? Là, j'ai à peu près 15 quarts avec Quistis. Non, j'en ai 15. Renzo Kuken avec Squall. Sanka avec Irvine. Et normalement, en un tour, ça devrait être bon. Un tour, peut-être, peut-être une autre intervention dans notre combat. Ouais, ça devrait le faire, je pense. Si vous trouvez quelque chose de mieux, n'hésitez pas à me le dire, mais là... je ne vois pas. Perso, je vois pas. Par contre, faut juste que je regarde le cas. Moi, je fais moins de dégâts.
Est-ce qu'il était associé sur Skrull, le car? Je crois pas, hein. Non, sinon on aurait vu A. Je comprends pas, c'est pourquoi j'ai pas fait 1005 comme avant. Ah ouais, avec le train, je vais mire des buffs. Tu as raison, il a raison. Donc en gros, ils peuvent répliquer des fois Calamité qui sortirait entre 2 et 3000 de HP, quoi. Ouais. Donc si je fais un Sankar, deux Sorcar avec Wistis et deux Renzokuken, ça passe. Et juste un truc que je voudrais voir avec vous. Associé Squall, associé Magie. Faire en auto plus de vigueur. Vous voyez qu'Odin il peut intervenir. Je fais combien à peu près là? 6000, 7000 avec Squall? Je sais pas combien je fais. Au moins 5000. Allez, n'hésitez pas à m'encourager. Je sais que ce live c'est du Tonberry, mais. Tonberry. Vous imaginez, je l'aurais fait tout seul dans mon coin. Ça aurait été chaud. Non. Le pire, c'est que j'ai lu vraiment pour préparer le live. Genre, ton Berry Seigneur n'est pas sensible à carte. Ok, donc c'est ça. Deux Renzokuken avec Squall, un quart avec Quistis et un Sanka avec un Ray. Et ça marchera.
En fait, le but, c'est que j'en fasse vraiment un max, quoi, avant la pause. 16. Bonjour. Faut vraiment que je me réserve ouais, un quart par, par combattant Berry avec Justice. Regardez là, ça fait 6000. Ah, par contre. Non, en fait, c'est bien. Ouais, le quart faut le faire au début du combat, je suis d'accord. Entièrement d'accord. Allô? Ah. J'ai pas vu combien avec OBA j'ai fait. Vraiment que je fasse car au début de combat, je suis d'accord avec toi. Non mais je pense qu'il n'y a pas mieux, on peut pas faire mieux. Ouais, on peut pas faire mieux en termes de rapidité, je pense. C'est pas possible. Tu as quoi en ce moment, petit Wivares? Y'a qui que j'ai pas encore nommé de la TV? Confirmez-moi. Streamer, hein, je pense. Donc là, on en a 15, hein, si je crois que c'est ça. Ouais, ça va, en fait, c'est faisable, hein, tous les 5 minutes. Attaquez-nous. Je pense qu'il fait qu'il fonctionne mieux en sort. Ouais, pour les associations, tu veux dire. C'est bon. Ouais, je regarde sur le Discord. Regardez combien je fais. Mais c'est pourri!
complètement naze. Là par contre je vais faire dans les 2000 là. Ouais non même quoi. Alors je pourrais me mettre Mother hein, avec Wistis pour avoir booster sur chaque perso. Mais je le fais pas parce que sinon j'aurais le sort récup. N'hésite pas à me mettre Overest à chaque fois combien il m'en reste dans le chat. Ça me donne espoir comme ça, si tu vois ce que je veux dire. Cette quête, c'est peut-être celle que je voulais faire en dernier parce que faut quand même un certain niveau, je crois. C'est ça? Comme le nombre de spectateurs. Ouh. C'est quoi ça par contre? Dague de Tombéry. Tu me fais penser s'il te plaît où il va rester dès que Tombéry Senior apparaîtra. Hein. Tout de suite. Lyon Super L-Train quoi. Fait Ultra Wave. On va voir. C'est pourri, c'est tellement pourri. Son quart. Magie. On avait dit. Quart. Renzo Kuken. On va voir si je fais signe 700 ou pas. Ah ouais, c'est ça, ça marche. Hein. Ah non. Bon, en soi, c'est pas forcément grave, mais bon. Par de générateur et Mother, les trucs de Christie sont pas top. Quoi. Alors je sais qu'il y en a une qu'on va pouvoir récupérer, mais c'est plus tard. Faut que je check. Alors, magie, on va faire un V-Max. J'en ai un ou pas? J'ai V. Après c'est les Tombéry, hein. Les Tombéry voilà, c'est pas n'importe qui aussi. Hein. Puis on l'avait bien vu, hein. On avait bien essayé des générateurs sur eux, ça marche pas. Malheureusement d'ailleurs. Les Tombéry c'est les meilleurs. Bah ils ont une défense de fou, c'est vrai. C'est peut-être Firmament. Thank you.
qu'est-ce que je pourrais faire avec Louis 6 pour faire un minimum de dégâts après le... C'est chaud. Je vois pas. Je vois pas du tout. On tourne, tourne, tourne autour de tout ça. Allez. Vilain. Vilain pas beau. Magie. Un sort vie, s'il vous plaît, vie. Non mais je sais pas, qu'est-ce que je pourrais utiliser? J'ai tout essayé avec Quistis. C'est quoi ça, freak? Laser, c'est quoi ça? En fait, il faudrait que je check les limites de Quistis, vu qu'elle s'apprenne avec des objets. Infection inflige des altérations d'état si tu l'as. Je l'ai infection, ça c'est sûr. Infection. Laser, tu me parlais aussi. Pas laser. Allons voir si ça marche. Ah super. Pourquoi c'est plus long. Donc pour les morts j'ai utilisé Q6 pour le ressusciter, j'ai pas fait le sort carte. Comme il m'a sorti calamité. Ouais c'est ça. Des fois qu'ils lâchent violemment, tu les as pas, je crois. Mais je crois que on les a pas après, genre. Lunatic Pandora, je sais pas. Mais je sais, je me rappelle d'une que j'utilisais contre le boss final qui faisait très mal, mais je me rappelle plus du nom. Et je pense c'est pas laser, justement. Ok, 12.
Lazer, ça avant Mother dans la liste. Ouais, mais ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire du tout, parce que ça dépend de la liste que t'as, en fonction de ce que t'as, quoi. Objet, rayon. On va regarder. Hein. Mais je crois qu'on avait... gagner de l'argent, ouais, c'est pas mal. Alors. Je n'oublie surtout pas de faire car et la Rensokuken. En premier, toujours car, Rensokuken et sans car. Mitraille, ouais, on pourrait essayer après. On va regarder. C'est mitraille. Calamité. Non. Meurs pas. Oh, ça va. Pour l'instant, elle fait peut-être plus de dégâts. Hein. Si je me trompe pas, il va falloir que je fasse attention, c'est au moins à garder un personnage avec la vie à fond. Magie Irvine, soin max. Voilà. Vous imaginez là, pour l'instant on fait tout ça que pour à peine 20 PDC quoi. D'abord, pensez à... Car.
Effectivement, ça entraîne bien pour Lorenzo Kuken. Mais pourquoi ça... Je comprends pas. C'est un coup critique que j'ai fait avec Justice là sur Mitra ou pas? Comment ça se passe? Et normalement tu meurs. Tentera à mourir, hein. T'es venu là pour souffrir, ok? Vous comprenez que cette quête, je la ferai pas tous les jours. Mais bon, on aura fait plein de... Contrairement à FF12, hein. FF8, je suis beaucoup plus motivé à faire de l'optionnel. Clairement. Y'a rien à dire. Normalement il est mort. Si tu meurs pas là... D'après mes calculs... 10. Parce que bon, toutes les invocations... les quêtes de scénario, donc le Shumi Village, Winil avec le pot. Ouais, franchement, autant on aura fait, je trouve, tout l'annexe qu'on peut faire comme dans FF7. Dans FF7 aussi, je vous ai fait beaucoup, je vous ai tout fait dans FF7. Hein. FF10 aussi, à part Waka, l'arme ultime. Tellement peur qu'il me sort calamité, vous savez. Quelle est la GFlance que vous avez le plus vu pendant ce live, pendant ce 20e live de FF8? Une fois qu'on sert de la magie. J'adore, il est tellement classe ce Nosferatu. Il est pas mort. Ah non, 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 non. Ouais, mais non, c'est bon. Vu que Calamité, j'ai l'impression que ça fait en fonction du nombre de HP. On devrait être dans les 400, là. Ouais, c'est ça, 460. De son nombre de HP total. Tu vas mourir. Ah
Ok. On est à 9. Allez, on en fait encore un, c'est ça? Et comme ça, ça fera 8 et on part en pause. Ça vous va? Bon, est-ce qu'on aura le temps, selon vous? De finir cette quête. Sinon, je dépasserai un peu. C'est pas grave. Par contre, Odin, il apparaît jamais. Je pense que c'est fait exprès. T'inquiète pas. Ouais. 1500? Alors 780, je comprends pas. Je sais plus. Qu'il voit ton Berry Senior, mais je pense pas qu'il soit bon. Je pense honnêtement, ma tactique c'est clair, c'est Eltren Lion Super, Mother directement avec Quistis, et je spam Renzo Kuken. Et après les invocations normales. C'est clair, net et précis, ce sera ma technique. T'es mort, pas sur moi. Toujours pas. Salut Ace Gamer, je crois que tu vas bien. 8. Ouais, vous savez quoi, on va faire 7, parce que j'aime bien 7. Voilà, et ça me motivera plus. Contre Tomberry, je faisais beaucoup Léviathan. Moi, je vous rappelle contre Pampa. Ça, y'a pas de soucis. Vous avez vu, des fois le Renzo Kuken il fait 7 ou 8 coups, des fois il en fait que 5. C'est marrant, hein. Ok. Je crois qu'après on enchaîne directement avec 100k. Vous voyez, là, il en fait que 5. C'est marrant, hein. Ouais, le Renzo Kuken fait pas mal, bien sûr. Bon, vous imaginez, si on a ça avec la dernière ability, c'est limite... Alors, quand je dis... Ouais, alors, c'est 4 plus... la dernière quoi, soit la mineure, soit etc etc.
niveau des barres de... D'ATB, c'était parfait, c'est bon timing. Ouais. Elle était morte. Au moins, ce qui me rassure, c'est que... on fait... comme si on subissait pas de dégâts, et ça, c'est cool. 7. Ah, on a la carte Tombéry, ça fait plaisir. Bien, alors surtout, sauvegarde rapide. Ça, c'est le truc à ne surtout pas oublier. Voilà, donc là, il nous en reste 7. Allez, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans 5 minutes. A tout de suite, et restez bien présents pour Tombéry Senior. C'est le boss qui vous parle. J'en ai assez d'attendre. Je veux ce Pikachu. Cette fois, vous avez intérêt à réussir. Nous sommes de retour. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin de dénoncer l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jesse. James. Le Team Rocket, plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous, ou ce sera la guerre. Pikachu. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Pour vous jouer à mauvais tour. La Team Rocket est une bande de roublards qui veut capturer tous les Pokémon rares. Je suis si belle. Et moi si particulier. Vous n'êtes que des pions sur mon échiquier. Personne n'est aussi méchant. Tout le monde nous craint, sauf ces salmorveux. Ah, ces salmorveux. On creuse des trous partout. Personne ne tombe dedans, sauf nous. Mais on les aura. On est astucieux. On est astucieux. C'est le plan le plus génial que nous ayons jamais trouvé. Oui, Jesse, cette fois, ça risque de fonctionner. Vous avez fini de jacasser? Ils arrivent! Nous sommes de retour. Treasure, battles we can win.
Allez, re tout le monde, deuxième partie de ce 20e live Final Fantasy VIII sur la TV. J'espère que la pause s'est bien passée pour vous. On est à l'eau party, il nous reste cette petite ombérie à voir, et après... Il sera là! Oui! Les tombéries ont pas plus de 1 million de PV, je suis déçu. MDR! Pourquoi il veut pas paraître, Odin? Pourquoi il veut pas apparaître? De Gorlas. 6700. On connaît les chiffres par cœur. Il fait quand même peur avec sa torche et sa torche et son couteau. Genre, je suis tombé. Le couteau ou la lanterne? C'est pas une torche, c'est une lanterne. De toute façon, on connaît, hein. Il y a toujours ces animaux caractéristiques des FF, hein. Les pampas, les tomberies, les chocobos, les behemoths. Les morboles, saloperies. Les acarisseurs, vous savez, les gros chevaliers violets. Ouais, encore plus qui fige. Alors là, ça vient peut-être aussi de ton PC, je ne sais pas, mais. Je sais pas. C'est Space. Allez, zou. Allez, après celui-là, normalement, il décède. Il meurt de décès. J'espère. Voilà, merci. 6. Je crois qu'on a... peut-être la meilleure équipe, quand même, de ce FF8. Parce que je vous ai pas encore montré la limite de Irvine, mais enfin si je vous l'ai montré, mais la limite de Irvine avec des certaines balles transparentées, ça fait très très mal. Hein. D'ailleurs, faudra qu'on en craft. J'en ai besoin d'ailleurs pour Lionheart, l'arme ultime de spawn. Allez, vas-y, je suis motivé là. On est bien là. Non, 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 tu veux, non, non, t'avances pas, toi, tu vas reculer, crois-moi. Hein. Je dirais Bray Wyatt dans WWE, quoi. Oh, mais non. Et salut à toi, Freyden, j'espère que tu vas bien. Ce jeu, j'ai passé des centaines d'heures dessus. Bah, moi aussi. Et cette OST est une tuerie. Oh, oui. Du coup, magie, il faut la vie. La vie sur Spawn. Comment vas-tu, Fryden? Bien? Tu as passé une bonne journée? Je sais pas si on a passé les 50 heures là. Je sais pas. Moi, qu'on check. Ça va, on fait ce qu'on peut et toi? Ouais, écoute, ça va très bien, ouais. Fait froid, fait pas beau, ça va. Quand on est devant un jeu vidéo, on ne peut que aller bien, en fait. Ok.
Je peux me dégoûter que des générateurs ne marchent pas. Je le cache pas. Ça a tellement été le feu. Si ça passe à plus de 1500, normalement il peut mourir. Ouais, c'est bon. Cinq. Il faut qu'on en mette encore 5, c'est ça? On aura le temps, en fait. Parfait. Oh ouais, encore 5. C'est 20 piles ou c'est 21, je sais jamais. Je m'en rappelle plus. Je vous cache pas, je ne sais plus. Mais c'est le feu, là. C'est le feu. Contre la source de magie, j'aimerais bien qu'elle apparaisse. 20. Ouais, 21 avec ton berry, du coup. Seigneur. Coup en traître. Ah non. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai loupé. Comment t'as pu louper ça, mec? Merci pour ton follow, Kaiden. Merci beaucoup. Bienvenue sur la TV. Ça me fait plaisir. Tu joues beaucoup à FF? Quels sont tes préférés? Avec plaisir, ça fait plaisir. Non, ça fait du bien de découvrir de nouvelles personnes, on va pas se cacher. Alors je sais pas si je suis en émulation, hein. C'est pour ça que tu vois des trucs en haut à gauche de PSX et tout ça, si on est sur l'émulateur PS1. Et je fais surtout ça pour les sauvegardes rapides. Pour les jeux de cartes, c'était très pratique. Mitraille, Renzo Kuki. Attends, je lis ton com juste après, j'essaie de me concentrer. Perso, je préfère les anciens SF. Les anciens FF, à part FF 8 et 10, d'accord. Après, j'avoue, j'ai pas accroché. T'as pas accroché au 13? Enfin, au 13, 13-2. Moi, j'aime beaucoup le 13, par exemple. Je sais que voilà. Et... Après, je veux dire les autres, la suite. C'est du belge. Je comprends le belge, moi, une fois. 4. Franchement, ça va, hein. On gère bien, je trouve. Avec la sauvegarde rapide, là, ça va être parfait. Ça fait plaisir. Là, tu m'as donné envie de frites, là. Je pensais à la Belgique. C'est dommage que t'aies pas accroché au trace, que pourtant, c'est en termes de scénario. C'est... Je parle pas en termes de gameplay, hein. Je parle en termes de scénario. Bon, je pense que tu l'as fait, quand même. J'espère. Mais pour ne pas aimer un jeu, faut l'avoir fini. De bière et de chocolat, le chocolat de... Ouais, le chocolat, par contre... Magie, d'abord, on a toujours dit car, bah, on en aura plus après. Et mince. Allez, prends ça. Chocolat de Liège, il est trop bon.
peut-être honte à moi, mais non, j'ai pas fini de 13. C'est bien dommage pour ça. Je parle un peu du nez, je suis rhumé. Je sais pas si c'est bon. Après celui-là, il en restera que 3. Hein. On va finir avant 20h, c'est parfait. Hein. De toute façon, on va finir avant 20h quand il arrive. D'ailleurs, je sais plus après qui c'est, moi. Je me rappelle plus. Demain, bah, Go Lunatic Pandora. Hein. J'ai envie de faire du scénario en fait. Ah, on verra. Enfin, je pense, c'est pas on verra, c'est sûr. C'est lui après. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il est pas mort. Si t'as pas la tête tombée récédure avant 20h, tu recommences tout demain. Non, non, parce que j'aurai la sauvegarde rapide. C'est-à-dire que je reprendrai exactement au moment où j'ai sauvegardé avec l'émulateur. Donc, non, non. Non, non, je recommencerai pas tout. Ne serait-ce que pour vous, mais avant tout pour moi. Ça fait depuis 18h que je fais ça, j'en ai un peu marre, là. Non, il a laissé une rapide de cheater sur l'émulateur. N'empêche que vous êtes bien content de l'avoir eu, ce... Hein, ce truc de cheater, comme vous dites, pour les cartes. Hein. Pour les cartes, hein, pour avoir les cartes Laguna et tout ça, on était bien content de les avoir. 3. Par contre, faudrait vraiment, ouais, que j'ai le truc crayon, quoi. Faire max de dégâts avec justice. C'est cool. Ouais, franchement, là, faut qu'on le finisse avant 20h. Enfin, faut qu'on fasse Pampa Seigneur. Par contre, j'ai plus de sort car. Hein. On est d'accord. Du coup. Je sais pas combien pourra faire de dégâts, mais. Pas mal, je pense. Je sais pas si vous entendez quand je fais le mode turbo avec la manette. Si je me mets comme ça, bien en bas de la table de stream. Oh mais non, mais quel... C'est la honte. 88. Jette-lui des graines, il va peut-être picorer pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là, tu le fracasses. Ouais, ça peut marcher. Vilain! Non, j'entends pas, moi non plus, ok. C'est la hantise. Bon, on sort vie avec Quistis. Je pense qu'on sortira un deuxième sans carreau. Ouais. Logiquement. Eh oui, Varès, tu regardes le let's play de Mario Odyssey de Brie ou pas? Pas Brie, d'ailleurs. En fait, j'ai pas gilé, mais 99, c'était super bien animé comme quoi. Par contre, on voit un moment que c'est bien pixelisé. Je vais vous dire ça. La fin de Mario. Là, regardez tous les petits carrés qu'on voit. C'est impressionnant. Là aussi, d'ailleurs, le ciel. Je m'en fiche, tu peux me faire ce que tu veux. Tu vas me faire que 460 de dégâts. Tu crois que je te connais pas? Ha! Sens-moi le sort vie, s'il te plaît. Pas fan de Mario, là, quoi. En fait, je suis en train de me dire, mais là je crois que je vais pouvoir utiliser soin max sur Orvine et sur Quistis. Vu que maintenant j'utilise. Euh...
que je check avec Quistis combien j'ai d'aura en fait. Kenja, tu peux lire la description et tu peux m'expliquer un peu l'idée de ces streamers que vous partagez le temps de stream, c'est ça? Est-ce que tu connais Level Down ou quoi? On appelle ton Level Down. Ça répondra tout de suite à la question en fait. C'est normal que tu me sors deux fois calamité toi? Pas, mais je me demande qu'à découvrir. Alors, Level Down, c'est une plateforme qui existe depuis 3 ans maintenant, qui regroupe pas mal de gros streamers, genre si tu connais peut-être B-Boy, Dark Funeral, Nem, Saïkier, Sifano. Et en gros, nous on est qui? On est la TV. On est la TV de Level Down de cette plateforme, et donc en gros on est sur Twitch. Et en gros, on est une TV qui regroupe à peu près une quinzaine de streamers, et on est une TV ouverte de 14h à minuit tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et on s'enchaîne comme ça en fait, ou par des créneaux de 2 heures, quoi. Voilà, tout simplement. Et moi actuellement, bah t'es tombé sur moi, parce que t'as dû faire une recherche sur Final Fantasy ou Final Fantasy 8, actuellement je ne sais pas quel est. D'ailleurs c'est 2 maintenant, et bah voilà, tout simplement. Et là mon créneau, bah en fonction de ça, par exemple tu vois demain, bah, je poursuivrai peut-être 8 à 20h, vendredi de 20h à 22h, voilà. Swag. On est à deux, hein. Ouais. Ah. J'ai parcouru un peu les jeux et quand j'avais fait fuite, j'ai direct cliqué. Bah, c'est gentil à toi, merci. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, avec Twitch, d'après ce que j'ai compris, les jeux qui sont le moins faits vont être beaucoup plus mis en avant que toutes les personnes qui font les jeux, ce qu'on appelle du moment, quoi. C'est-à-dire tout ce qui est PUBG, etc., etc. Je perds en réactivité et je réfléchis à mon futur repas. Qu'est-ce que vous faites de bon ce soir, VRS? J'attends. Ouais, c'est une bonne chose, ouais. Je trouve aussi parce que j'en avais marre aussi quand tu fais un moteur de recherche, quand tu connais vraiment spécifiquement un jeu, ok, tu trouves des choses. Mais genre, tu vas regarder dans ce qu'on appelle les tendances, un petit peu comme le truc de merde qu'on retrouve sur YouTube tendance, hein, j'ai envie de dire, on va pas se le cacher maintenant, ça fait n'importe quoi. C'est quoi? C'est que du Fortnite, du PUBG, que des jeux en fait que tout le monde fait, quoi. Moi, je prends plus la diversité, on va dire, l'originalité. Et la régularité, surtout. C'est toujours dit. T'as cru quoi? T'as cru quoi? Exactement, je suis d'accord. J'aimerais bien voir un stream d'Alundra 2. Alors, Alundra ou Alundra 2, je connais, mais alors jamais joué. Non, jamais joué. Mais je sais que ça a très bonne réputation. J'ai l'impression que ça va plus vite depuis qu'on utilise Soak. Non. Quoique non, parce qu'on avait le sort car. Donc non. On faisait 6700 de dégâts dès le début. Faut réfléchir en termes de pourcentage, puisque je vous rappelle que car, on avait un car, hein, 26000 d'HP. Hein. Je trouve que sur Twitch, si tu connais pas le jeu avec leur système actuel, tu ne peux pas le découvrir, ouais. C'est vrai.
Il me tarde d'avoir ton Berry Senior, de mettre à profit ma tactique. Donc je rappelle, L-Train, Mother avec Mystis et Renzo Kuken à fond avec son groupe. Et après je lancerai un petit sort scan pour voir combien de vie. Caris Life, pardon. Caris Life, ouais. Filtro Copper. Relagon. Attends, arrive au bon moment, Lagon. On arrive là, il nous reste encore un dernier. Et normalement, c'est bon. Et cette quête, je vous le dis, hein, je le ferai pas tous les jours. Comprenez pourquoi je voulais pas la faire tout de suite. Ok, il nous en reste un si on a bien calculé. Il fait notre compte. The last one. Ouais. Mais avant ça, on va faire. Hop. Magie Irvine. Soin max. Voilà. Faire une petite, ce qu'on appelle sauvegarde rapide. Parfait. Oui, et là ton Berry Senior apparaîtra tel Zoro dans la nuit. Ouais. Non, au moins comme ça on sera mieux préparé, je pense. Par contre, faudrait que je vois. Attendez, je vais quand même checker combien j'ai de. Avec Quistis, combien j'ai d'aura. Utiliser. Combien j'ai d'aura? Ah, j'en ai 13, ça va. Ça va. The last one. Allez. Où est ton papa? Alors le pire, c'est ce que je vous ai dit, hein. Les Tomberry normaux sont sensibles, les petits Tomberry sont sensibles à carte, mais pas Tomberry senior. À ne rien y comprendre. MDR, je peux parler à ton papa, tellement. Tellement ça. Ce qui est vachement cool, c'est que honnêtement... Ah non, arrête de parler. C'est qu'honnêtement, on aura fait ça en... rapidement et c'est cool. Allez, il me reste en gros 25 minutes. Oh, mais... chiant. Ça va me faire super mal, ça. Ah ouais. Comme j'ai Shiva, ma GeForce favorite. C'est vrai que moi aussi dans la FF je l'aime bien, par contre c'est peut-être pas ma préférée dans celui-là. Shiva j'adore dans FF10. Dans FF10 c'est ma chimère préférée. Dans celle-là, dans celui-là, moi j'aime beaucoup Nosferatu. Je dois avouer ce genre. Elle est puissante, elle est vraiment puissante. Quand ça fait pas rater. Je la trouve stylée, puissante. Sinon, j'aime beaucoup. C'est la plus intéressante et la vraiment celle qui t'aide le mieux, c'est L-Train. Il n'y a vraiment pas de. À se poser de questions. Je comprenais pourquoi il disait qu'il fallait bien préparer le sort vie. Non mais tout paraît logique maintenant. Alors surtout tu me fais le sort vie normal. Ok, donc là ça fait 20 000.
que je crois qu'en plus le combat continue tout de suite. Donc dès que je le vois, c'est sauvegarde rapide. Boum boum. Je pose même pas la question, c'est je mets le jeu. Ok. Les seigneurs sont trop puissants. Phil, Fez. Pourquoi Fez? F-A-I-S-E, Fez-Gamer. Parfois, c'est difficile de choisir la voix préférée d'un niveau puissance et design. Par exemple, Bahamut, je trouve que dans celui-là, il est pas terrible. Je sais pas. Pas si puissant que ça. Ok, il est mort. Voyons voir. Ok. Magie. Scan. J'ai force, lion. Alors, combien ça de vie cette chose? Le père de Tomberi apparaît à chaque fois que Tomberi est vaincu, bien plus résistant que son fils. Pourquoi elle a pas sa couronne sur la tête? C'est quoi ce délire? Attends. Magie, on a dit un sort aura qui est là. Parfait, et après Mother. Ah, ouh, ça fait mal. J'avoue, c'est une monarchie ce truc. Mother sur les trois. Yeah. Allez, c'est parti. J'aime bien par contre le sort aura, il est bien pratique aussi. Il va se prendre une part de gâteau avec ce couteau. Chouchou, c'est le petit train, chouchou. Au revoir. Oh oui, ça a l'air de l'affecter. Pas mal. Excellent. Mother encore. Hein. Je m'en fiche, mon ami, je m'en fiche. Let's go. Aïe. Mitraille. On va voir combien ça fait de dégâts. Pas mal. Vous
vrai que le générateur va marcher sur lui. MDR. En fait, on lui a fait l'équivalent de trépan de FF10. On a baissé sa force, sa défense générale. Non, vous êtes pas d'accord? C'est pour ça qu'on fait plus de dégâts là, Expo. 5000 dans ta face, vas-y. Faut spammer. Je force, Priam. Du coup, magie, déménagement, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette connerie? Aura sur Questis. Ifrit, la GeForce préférée des Belges. du coup. Absolument que je refasse Mother. Pour avoir Aura sur. Pour avoir ouais, Aura, bien sûr. Je suis sûr qu'il est parti rapidement le. À chaque fois que sort Aura quand tu te joues Mother sur nos trois persos, c'est dégueulasse! Faut que je récupère du sort Aura sur Squall alors! Ça coûte, c'est rien, Squall il te sort du 10 000 environ. Ah ouais, mais bon, j'ai pas l'arme déjà, j'ai pas le niveau aussi. Logique dans ce jeu, faut être logique. On se débrouille très bien, je trouve. T'as peut-être fait une altération d'état avec son déménagement ou c'est de la no-lock. Ouais, c'est possible aussi. Je me rappelle quand même qu'avec Monarch, j'avais pas de problème pour ça. Hein.
Tu passes beaucoup de vie, petit Tombéry, là. C'est vrai qu'il mange cher les Renzo Kuken. C'est normal, t'as spammé son rayon de la mort. Ah, m'en rappelez pas de ça, s'il vous plaît. Mais c'est quoi cette connerie? Please! J'en peux plus, moi. Attends. Genre, je vais plus être en Sordora avec Squall. Les Sordora, faudrait essayer qu'on en trouve. Je sais pas quel mode donne, mais. Non, je suis plus sous Aura. Hein. J'avoue, le mec, son attaque, ça me fait tomber des télés et des casseroles. C'est quoi? Voilà. Voilà. Et on réessaye. On va l'avoir. Hein. On fiche. On lui fait tellement mal avec Lorenzo Kuken. Quoi. Petit roi, oh oui. Ah bah voilà! Parfait! Ah, c'est que ça le fait pas tout le temps. Ça doit être pour ça. En fait, je le vois parce que quand il y a lévitation. Je vous rappelle, un Mother nous donne lévitation, récup, blindage, carapace. Aura, allez. On était les rétro et je les donne à mes potes en échange de cartes Pokémon. Là par contre mon ami tu vas prendre très cher derrière. Oh. Combien il peut avoir de vie? 200 000? Non. Tiens. Dans ta face avec la mineure, très bien. Et là.
Gabriel. Yeah! Désolé! Oh, comme une lasagne, hein, c'est ça? Tombéry a rejoint votre camp! Bonjour, Rosalie! Comment ça va? Magie plus 60%? C'est pas mal, ça. Voilà. Et bien sûr, on va renommer... effacer. On va mettre en... Non. Effacer. On va l'appeler Jolan. Je trouve que le caractère de Jolan va bien avec ton Berry. Perso, je trouve. J'ai le temps de vous le montrer. Je suis trop content. On a réussi à avoir. Génial. Bien. Alors. Qui a quoi? Parce que maintenant que nous avons toutes les invocations, ça fait plaisir à voir. Hein. Oui. Il y a un mode turbo. Ça, je me rappelais pas. Qui a quoi? Donc on en a 16, ça fait 5-5, et il y a une personne qui en faut 6. 2, 3, 4, 5. Ok. 2, 3, 4, 5. Ok. 5. Bah écoutez, on va la mettre à... Boum. Magie plus 60%, merci, ça c'est cool. Pas mal. Clairvoyant, je vais le laisser. Qu'est-ce que j'ai là? Attendez, non, c'est pas ça que je veux faire, c'est capacité. Ouais. Et Irvine. Ouais, ça me paraît bien. Allez, faut que je vous montre Jolan. Mais surtout, faut qu'on sorte pour sauvegarder. Je suis content qu'on l'ait eu, quoi. Trop bien. Jolan Tombéry. Mais oui, c'est clair. Jolan a un couteau pour les parts de gâteau et de beurre. Je suis d'accord. Bah, en même temps, vous l'avez jamais vu. Alors, j'ai envie de vous dire, ça paraît logique. Enfin, moi, je trouve que Tombéry est aussi un personnage mystérieux comme Jolan, quoi. Non ? MDR. En tout cas, 100% des GFOS. Prise accomplie, c'est cool, je trouve. Ça fait plaisir. On va voir si c'est si puissant que ça. Un Tombéry. Vous m'aviez dit que ouais, Tombéry était plus puissant que Bahamut dans celui-là. J'attends de voir. On va voir. Allez. En tout cas, je suis content. Merci à vous pour votre soutien, parce qu'honnêtement, on est allé, je trouve, rapidement. C'est plaisir. C'est surtout ses capacités à Tombéry qui sont cool. Salut Skilly, j'espère que tu vas bien.
Berry, c'est la meilleure GeForce. Faudrait que je check, quoi, en effet. Va-t'en, vilain. Mais... Pampa égale Tomberry, astuce de Gilles. Ouais, enfin, après, dans celui-là, t'as pas vraiment besoin de Gilles. Honnêtement, j'ai jamais été en rate d'argent dans celui-là. Hein. Même si j'ai un rang 6 de 5 actuellement, je crois. C'est le FF. Si tu utilises des objets au début, mais après, si tu voles bien... T'as pas besoin des objets. Ah d'ailleurs, pour répondre à cette question, rappelez-vous, au Shuni Village, on avait récupéré l'invocation Phoenix. Pour l'invoquer, c'est avec l'objet Golgotha. Allez, force verte. Voyons voir. Mais c'est nul! C'est complètement pourri! Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que t'en veux pas avec un passant de ton bébé? Tout ça pour une GeForce qui tape à 700. Bah je pense que ça doit dépendre. C'est clair, c'est un couteau en plastique. C'est pas possible, quoi. Je pensais ce qu'il faut faire au début de chaque combat, qu'il faut invoquer maintenant. Enfin, je le savais déjà, mais je me rappelais pas que c'était. Enfin, c'est la vie, quoi. Genre, ça fait l'équivalent du trépan, quoi, d'Aura dans Phoenix. C'est la vie. Merci. Bien. Avant qu'on se laisse, il nous reste un petit peu de temps. On va juste se diriger vers juste à côté, sauvegarder juste à côté de Lunette Pandora, mais je vais faire associer Irvine, capacité, tu vas me mettre low combat. Hop. On remonte. On prend l'hydre, direction Eshtar. 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 Voilà. Hop. Alors, mausolée des stars. Normalement, il est au-dessus de Tears Point. Ouais, c'est ça. Donc, on va aller ici. En tout cas, j'espère que ce 20e live. Mission accomplie encore une fois. Hein. Pas de chance 1, pas de chance 2 pour les. Il y a 4 et 3 lives. Non. Il y a 3 et 2 lives, pardon. Et du coup, là, depuis le live dernier, là, épisode 19 et là, le 20e live, on a plus... Ouais, on galère moins, je trouve. On galère beaucoup moins et ça fait plaisir. T'es où, Lunatic Pandora, là? Hein? Elle devrait être juste par là. What?
Quelqu'un peut me dire où est Lunatic Pandora? Mais... C'est pas au-dessus de Tears Point. Vas-y. Ah. Ok. Très bien. Ça fait tellement plaisir d'avoir ça, là. Ça. Ne serait-ce que ça, vous voyez. Des heures, quoi. Bah, tout le monde a été renommé, hein. Tout le monde. Tout le monde est présent. Tout le monde de la TV est présent. Qu'est-ce qu'ils sont pas beaux, quand même. L'équipe parfaite, quoi. Bref, on va sauvegarder. On se retrouve demain pour l'épisode 21. On continue le scénario. On fera en même temps, peut-être, la recherche des objets pour les armes ultimes. Après, je vous cache pas que j'ai envie de faire du scénario. J'en ai un petit peu de marre de faire du secondaire. Bref. Je vous diffuse tout ça dès demain midi, comme d'hab. J'ai envie de vous dire, ouais, vous allez retrouver tout de suite l'heure super, que je vous dise pas de bêtises pour du cancer. J'ai envie de vous dire, du lol. En parlant de l'heure super, j'ai posté une vidéo sur ma chaîne YouTube annonçant un projet que j'ai avec lui, qui devrait arriver incessamment sous peu. Je vous encourage à aller voir, la vidéo est très courte, elle fait 12 minutes, voilà. Donc, de toute façon, vous avez les liens et tout ça, comme d'habitude. Je vais vous souhaiter une bonne soirée sur la TV, je vais vous faire des... Mais écoutez, je vais vous faire des bisous, puis ben, on se retrouve demain, 20h, 22h, pour la suite de FF8. Allez, à très bientôt. Bisous.